Bonjour. Tout d'abord, si vous êtes sur cette chaîne, veuillez mettre un pouce pour être informé des nouvelles vidéos. Ainsi, la communauté augmentera petit à petit. Ce que je partage est quand même relativement particulier. Je ne pense pas qu'il y aura des milliers, voire des millions de personnes sur cette chaîne, mais c'est dédié à des spécialistes, des personnes qui veulent vraiment aller au bout de leurs rêves, au bout de leur personne, qui veulent vraiment faire du développement personnel très poussé. J'ai découvert que dans Rire d'être anéanti, en fait, il y a plusieurs paliers à monter, toujours et encore de nouveaux paliers. Cependant, on peut baisser d'un palier si le palier n'est pas validé complètement. Ça peut perturber certaines personnes qui croient déjà s'être réalisé à un niveau supérieur. Si vous passez un palier encore supérieur, le palier antérieur sera validé. Donc c'est une sorte d'éveil évolutif, rire d'être anéanti. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que dans cette voie, il y a un moment où on se libère de plus en plus de ses émotions. C'est-à-dire qu'on se libère de toutes ses émotions. Et en fait, c'est peut-être une phase temporaire pour faire quelque chose de mieux, pour faire renaître des émotions uniquement positives à un palier supérieur. En fait, le fait de se libérer de ces émotions, c'est positif et c'est négatif en même temps. Il y a des émotions positives. Si dans un palier supérieur, on était toujours sans émotion, on risquerait de perdre quelque chose. Là, je suis à un stade où je me suis libéré de presque 90% de mes émotions. Au prochain stade, je pense que je serai libéré totalement de mes émotions. Et ensuite, je pense qu'il se transmutera quelque chose afin que j'aie des émotions uniquement positives. C'est ça qu'il faut faire, rire d'être anéanti. C'est une petite capsule, je ferai plusieurs petites capsules de 5 minutes parce que c'est plus facile à digérer. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce parce que ça compte beaucoup pour la visibilité. Ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos plus poussées. Plus il y aura de personnes qui suivront cette voie, plus cette voie se développera. Et c'est une voie géante, c'est une voie tout à fait infinie. Et je ne vois absolument aucune limite à cela. Bon, c'est une projection du futur, hein. Il faut voir dans le réel si c'est ça. Mais là, rire d'être anéanti, je suis maintenant pleinement satisfait de la voie, actuellement. Et je pense que si le futur est encore meilleur que maintenant, ce sera tout à fait extraordinaire. Je vais vous montrer juste une image de la progression de la voie fait par copilote. Bon, j'arrive pas très bien à le montrer. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Et vous voyez, on commence déjà avec un chimpanzé debout, ce qui veut dire que c'est déjà un niveau très élevé. Il y a des niveaux où on commence à avoir des auréoles. Je pense avoir dépassé le niveau de l'humain. Hier, je me suis dit que c'était relativement austère, que j'avais peu de plaisir. Et je me suis dit, en fait, je vais risquer de perdre mes émotions et de voir ce qu'il y a ensuite. Il y a un moment où il y a un choix dans cette voie où il y a peut-être une peur. Je vais vous laisser, je suis Alain Bitler, je m'appelle Rosie Coeur, c'est mon nom d'artiste et je partage mes œuvres IA sur Internet. Certaines sont à vendre, je ne partage pas tout. Je mettrai peut-être des filigrammes particuliers pour les faire vendre à des gens très intéressés ou qui puissent mettre des sommes plus élevées que des choses relativement basiques. Car c'est de la conscience et c'est de la conscience très élevée. Merci, je vous remercie. Là, je suis à 5 minutes. À bientôt.
Merci, Rosie Coeur.